Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aujourd'hui parler de quelque chose, je pense, qui est primordial pour une femme, un appareil pour les cheveux, et c'est le Dyson. Le Dyson Airwrap que j'ai reçu par le Papa Noël. J'en suis plus que contente. Je fais la vidéo, honnêtement, à la demande de ma communauté sur Instagram. Vous pouvez de suite aller rejoindre notre groupe. Et aussi parce que j'en suis vraiment, vraiment satisfaite. Voilà, on va élaborer donc plusieurs points ensemble, que ce soit l'esthétique du produit, le prix, parce que beaucoup m'ont demandé est-ce que ça vaut le coup. Je vous montrerai tout ça. Et bien évidemment, ben, l'utilisation, parce que je ne vais pas rester comme ça. Donc on commence d'abord à recevoir le produit dans une boîte juste magnifique. Elle est orange en cuir. Franchement, ça fait penser à un appareil vraiment à une boîte, pardon, de luxe. Elle est juste belle, elle est facile d'utilisation, on peut tout ranger dedans. Bon, honnêtement, je m'en sers pour ranger bien évidemment les appareils et les embouts que je ne me sers pas, je les enlève et je mets ou mes brosses ou du maquillage et hop. Tout est dedans. Elle est trop belle. Elle est inclue donc quand vous achetez l'appareil sur Dyson ou sur n'importe quel site. Et honnêtement, moi, si elle n'était pas inclue, je l'aurais achetée parce qu'elle est vraiment belle. Rien que la forme, on ne se doute pas que c'est un appareil pour les cheveux. Franchement, le packaging, ils ont assuré. Boîte. Donc pour moi personnellement, j'ai pris le pack complet, donc avec tous les embouts que Dyson propose. Donc vous avez la base, donc franchement la base, elle est hyper légère. Comme vous pouvez le voir, franchement les couleurs chromées, donc elle existe en rose, orange ou violet, mais c'est des exclusivités, mais ils ne sont pas tout le temps, c'est juste... Super bien, franchement. Pour moi qui me coiffe à longueur de journée, c'est hyper léger. La prise en main est top. Et vous avez bien évidemment tous les embouts. Alors, pour parler du premier embout, donc celui-ci. Donc ça, pour les brushings, il est juste extraordinaire. Parce que donc moi j'ai les cheveux frisés, j'ai pas spécialement besoin de volume juste au niveau de la frange. Donc moi je m'en sers pour la frange. Mais pour les personnes qui ont les cheveux raplapla, il est top pour donner du volume en racine. Moi j'ai appris pendant des années, de toute façon mes cheveux ont toujours été un problème et j'ai essayé en vain de me faire un brushing comme les coiffeuses et malheureusement je n'ai pas réussi. Mais lui, il m'a aidé. Donc vous avez aussi les deux brosses. Donc c'est des brosses, celle-ci c'est pour les cheveux beaucoup plus fins, donc elles ont les petits embouts, et celle-ci où vous pouvez vraiment vous amuser avec, donc elles brossent le cheveu, donc, bien évidemment je vous conseille de les démêler avant, mais elles brossent le cheveu et vous pouvez toujours, quand vous le mettez sur la base, incliner et faire comme un petit wavy ou quelque chose de naturel. Et vous avez aussi donc les boucleurs. Donc moi dans le pack complet, donc vous avez deux grands et deux petits. Alors pour l'instant je les ai pas essayés parce que je me fais rarement des boucles, mais je trouvais sympa en fait de prendre le pack complet parce que avec faire des grosses, des petites, on peut faire franchement une coiffure qui peut être naturelle, bien évidemment en cassant la boucle. Donc celle-ci, ça sera des boucles beaucoup plus serrées. C'est à la fin donc le sèche-cheveux. Honnêtement, je m'attendais pas à ce que de l'air sorte d'ici et j'en suis vraiment contente. Après, pour ce qui est mettre dans les embouts, c'est simplement hop, clips, c'est mis. Vous voulez enlever, vous avez juste ici la barre, hop, vous enlevez. Il n'y a rien de plus simple. Après, pour ce qui est des boutons, vous avez le bouton on/off ou air froid. Pour ici, hop, tout simplement. Puis vous avez au niveau là, de la ventilation, plus ou moins ventilée, fort ou moins fort. Ce qu'il y a pour ce produit Dyson, c'est qu'il garantit vraiment un séchage, c'est très dur à dire, un séchage à air
naturel, c'est-à-dire que l'air chaud, il n'est pas brûlant. Combien de fois, vous les femmes, on s'est séché les cheveux trop près, on s'est brûlé le crâne. Je vais me dépêcher parce que là, je frise à mort, c'est un truc de fou. Et j'en suis vraiment contente. Et pour le dernier bouton, pardon, vous avez pour l'air chaud. Air chaud, moyen ou froid. Quand je dis air chaud, c'est un air vraiment léger. Donc venons-en aux choses qui fâchent, dont les questions ont été plus que multiples, le prix. Alors, donc pour ma part, le pack complet donc est à 499 €. Oh my god. Comme je vous ai dit, il se compose de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 embouts. Vous avez 8 embouts, la base et la jolie boîte en cuir. Vous avez autrement celui qui est moins cher à 439 € et vous avez 3 embouts en moins. Celui-ci, en fait, celui à 439 €, quand j'ai lu sur le site Dyson, il est vraiment conseillé pour les personnes qui ont les cheveux lisses, donc qui n'ont pas besoin de spécialement de tous ces embouts-là. Donc, je vous le conseille. En étant allé sur, donc, le Papa Noël me l'a offert sur le site Dyson, et j'ai regardé, il y a des facilités de paiement. Donc, vous pouvez payer 4 fois sans frais. Je trouve ça vraiment top parce que c'est quand même un prix... assez onéreux. Franchement, ça donne beaucoup de personnes en moins, je pense, parce que le prix, c'est abusé. C'est vraiment un investissement, mais je n'en suis pas du tout déçue. Là, je vais vous montrer moi ce que j'utilise de base. Donc, j'ai le sèche-cheveux Cosmopolitan qui date de 12 ans, qui me tue les cheveux, mais c'est pas grave. J'ai ma petite soufflette, donc ça c'est vraiment les étapes, je me sèche les cheveux, après je fais ma petite soufflette, donc alors j'en suis très contente, hein. Puis je plaque, alors je fais avec le fer à lisser, j'en suis aussi contente, il faut savoir que là ces trois produits m'abîment les cheveux, ça il n'y a pas moyen, on va pas se mentir, ils m'abîment les cheveux. Le Dyson il m'a coûté 499 €, mais j'ai les cheveux. Honnêtement, depuis que j'utilise Dyson, ils revivent, ils sont géniaux. Ça me laisse déjà des cheveux brillants, ils sont plus du tout abîmés. Donc, la question ne se pose pas. Effectivement, c'est cher, mais la qualité, il n'y a pas mieux. Vraiment. Donc, on passe à l'utilisation. Tout simplement, donc moi, je mets un petit spray, donc GHD protecteur. J'en mettais pas spécialement, on me l'a conseillé, je l'ai essayé, je l'ai acheté, j'en suis conquise. Donc moi j'en mets deux partout. Je passe d'abord un premier brossage sur mes cheveux afin de casser ma boucle. Je sais, beaucoup me diront, mais pourquoi tu laisses pas tes cheveux bouclés? Alors c'est pas ça, mes cheveux bouclés, si vous voulez je vous montrerai en vidéo. Vraiment, mes cheveux ils sont, donc ils remontent ici, donc, je suis un coton-tige, ils sont comme ça, je sais, bon, j'ai 25 ans, je pense que dans les 40-45 ans je m'assumerai avec mes cheveux frisés, pour l'instant. Donc pour les personnes qui ont les cheveux frisés, moi je vous conseille de le faire sur les cheveux mouillés. J'ai essayé humide, sec et mouillé. Mouillé le rendu beaucoup plus joli. Et c'est plus simple d'utilisation. Donc on démarre. Moi j'ai pris donc la brosse sans les pointes parce que j'ai les cheveux très épais. On commence maintenant. Je vais juste un petit peu m'incliner parce que sinon je ne veux pas voir ce que je vais faire. Et le rendu va pas être top. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that it's over, I know it's true, you made me happy for a while. On top of cars. Now I don't know you, you don't know me. Donc voilà.
voilà, donc j'ai fini. Comme vous pouvez le voir, ils sont super, super brillants. Le rendu, il est naturel. Ce que j'adore aussi, c'est que ça fait un rendu non pas plaqué, mais ça fait vraiment un rendu je sors de chez le coiffeur. Et ça, j'adore. Parce que je ne sais pas me coiffer, comme je l'ai dit, ça fait des années où je suis dans une galère monstre avec mes cheveux. Et ça, ben franchement, vous ne pouvez pas dire le contraire. Donc on rappelle les éléments, c'est un gain de temps. Donc je mettais à peu près 1h30 pour me coiffer. Je mets 1/4 d'heure, 20 minutes. Après, c'est un gain de place. Donc comme j'ai dit, il y a ça. Et il y a juste les petits embouts. Vous n'allez pas vous trimballer avec tout ça, tous ces fils, tout. Non, c'est terminé tout ça. On va dire que le seul petit, c'est le prix. Et honnêtement, c'est la balance. Vous allez peut-être moins dépenser justement chez le coiffeur parce que vous allez faire beaucoup plus de soins. Alors qu'avec le Dyson, il ne vous abîme pas les cheveux. Vraiment, le rendu, comme vous voyez, ils sont brillants. La chaleur, elle n'est pas excessive, donc ça ne m'abîme pas les cheveux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à mettre un petit like juste en bas. N'hésitez pas donc dans la barre des commentaires à me demander des conseils ou autres. Je serai là pour y répondre. Voici mon petit Instagram si vous voulez suivre les aventures de la famille Cacahuète, parce que c'est pas fini. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne journée, à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci. Thank you.